bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter baou une nouvelle émission. Non obligé enregistrer émission ça, ben c'est pas dans le studio parce que nous dans la rue. Mais écoutez, donc on est que information yo, eh bien, y a tombé au maximum et non obligé côté nous hier fait émission ça pour nous capable porter les baou. Ben écoutez, gagner évolution dans attaque non ta capable dit nèg 400 marozo au niveau de zone quoi d'émission. Gagne pile petit parole nous pral tendez. Et puis, gain de nouvelles vidéos, gain de nouveaux sons également. Et restez avec nous parce que vous pourrez gagner un maximum d'informations sur ce qui a passé. Mais écoutez, Fon dit que dernier tranche bataille là, c'est au niveau de Santo parce que situation était vraiment compliquée. Écoutez, pour deuxième tranche bataille ça, eh bien, on t'a capable de dire, bagalate toujours miel. Bagalate toujours miel parce que nous t'es arrivé au moment côté que monsieur, Negchenyo, t'es, on t'y j'en coincé, mais écoutez, je t'ai obligé de demander renfort et renfort vini, j'en connais un, depuis que un gros bout de bête, c'est que G9 débarqué. Mais il y a un pile qui prend balle, il y a des morts parce que il y a une information qui est déjà arrivée, je ne moins comme quoi, pour Pipiti, il faut gagner 6 à 7 morts parce que gagner 3 morts que j'ai constaté au niveau de camp 400 Marozo. Gagner un mitan de chien autour. Et puis bon, faut que nous disions que gagner une population civile là qui tombe. Mais jusqu'à présent, c'est un peu difficile de, nous t'as capable d'y déterminer un chiffre exact parce que c'est un peu difficile pour t'as capable bailler un bilan exhaustif de ça qui passait. Attendez bien. Faut nous dire que, gagner 4 points soldats, Chien, base alliée, bien sûr. Eh bien, monsieur t'a pris un balle. Ben, c'est confirmé, 4 points les touchés. Et monsieur, t'es allé l'hôpital. Dans l'hôpital qui pas trop loin, bien sûr. Gagné 3 bandits, 400 marozo qui t'arrêtaient à terre. Écoutez, parce que, ben, donc on est fort que nous prenons pile précaution, mais si c'est pour moi, gagné mort. Situation, hein, paraît, on t'y j'en calmé. Non, mi-temps journée, hein, bon zone midi pour praler une heure, gon ti calme. Après ça, t'as pas le guéon bagay qui reprend encore, donc, mounioté vraiment en difficulté. Tenez comme un deuxième partie bataille à t'es, non? Je ne vais pas confirmer un ZB, je ne vais pas confirmer un ZB, ni je ne vais pas confirmer que Titi mouri, ni que Titi est en bas ma peau. Mais, il faut que je vienne, non, il faut que je vienne actuellement là, je ne vais pas sortir, je vais en cercle là. La police, tout le corps à terre net là, chante de ma cage, je vais en cercle là, et je ne vais pas sortir là. Il faut que je vienne tout pour venir mourir. Il faut que je vienne faire ça finir. Mon bon chef, il faut pas attendre de 6 mois, ça fait trop de temps. Mon bon fonnet qui est rentré, on dit bah là, mystique, mon bon fonnet qui est rentré, bataille pour mourir. Bah, il est là avec nous, chef avec nous. Actuellement là, on est rentré, c'est vrai, on est rentré, on fait quelques mois. On a dit tout, on a pris le boulot tout. Ça court, il est en cours aller, reste la résistance à faire là. La police a cerclé la marécage. Des émissions encore en cercle, ça fait tant d'autorité là. A du bac à aller, mais il faut ne reste n'est pas aller. Il faut mettre en courrier aller, ça fait tout là, une zone de petits poissons, faire les brins, les billes, et des mots, et n'est-ce pas, on est en bas, en dedans là, quelques nègres avec vous. Il y a tout, tout ça, tout là, tout n'est pas en haut là. On va n'est pas qu'à sortir de là. Nous imaginez que Bagalaté vraiment, vraiment difficile au niveau de zone si là. Bagalaté réduit. 400 marozo te getan prend zone but boyer. 400 marozo getan prend zone nan et même fait tentative pour mettre un chef dans zone si là. Bagala, pas de fin trop douce parce que quand on fait appel aux autres membres du G9 et alliés, eh bien, yo te mette pied ou à terre en bête et puis yo te rivé repousser monsieur 400 yo. Mais pral vin gon problème. Repousser ou pral obligé rentrer dans logique pour capable récupérer zone ça, zone but boyer. Pas oublier m'te dit non que zone but boyer li gagné ça n'ta capable rele yon anti historicité dans affaire bandi parce que là c'était yon zone rouge
et que journée jeudi à la, eh bien, chien lui-même, t'es venu mettre nèg ça au dehors, eh bien, nèg 400 maroseux tourné pour yo vinn replacer chef en babouche. Chien, une manière pour capable tout monter chien. Eh bien, fan dit que tout allié yo, t'es allé des chiens méchants, tout allié G9 yo, bien sûr, gen quelques grands chefs qui parlent, mais écoutez, yo voye plusieurs soldats. L'hôpital MSF là, notamment, il est chargé avec des gens qui sont blessés. Ouais, il y a pile de gens qui sont blessés. Donc, j'aime te dire que les Pelé Brenyo et les 400 Maozo récupèrent but boyer. Et la bataille, moi, tu es capable de dire dernière tranche là, eh bien, c'est au niveau de Santo. En on suive. Actuellement, dans Santo, mais ça va passer. Mais ça va passer. Actuellement, là, il y a vide. La rue à vite. Il n'y a pas fait gueule. Il n'y a pas fait gueule là. La rue à vite, tout le monde est dans la rue. Nous avons dit voir. D'après Jean-Noué Bagala, là, c'est que Bagala semblait sentir dupe au niveau de Santo 14. Qu'est-ce qui s'est passé? On a récupéré le bloc de but boyer en attendant que coup de balle a fait peut-être. Un peu plus tard ou bien le lendemain, ils sont capables de récupérer la zone. Non. Mais dans le moment où ils ont monté dans la zone sans toi, eh bien, bagala était vraiment difficile. Il y a des photos parce que il y a des cadavres. Si, regardez. Tout est monsieur. Ça sont les 400 marozo. D'après sa information, il dit, eh bien, tout est monsieur. Il a déshabillé monsieur. Il a mis un caoutchouc sous lui. Apparemment, il a mis du feu. Tête chargée. Donc, pour mon côté, quoi des missions? Nous pouvons avoir une photo, nous cherchons photo ça et pour nous et pour qu'on ait parce que nous-mêmes nous toujours mettez information au conditionnel. C'est là nous fin confirmer et puis nous disons que ben c'est confirmatif. Mais écoutez, bagala vraiment miel. Ben on attend qu'est-ce qui va se passer parce que Fon dit que bataille ça, eh bien c'est une bataille qui vraiment est difficile. Tenez bien, 3h du matin, les hommes de 400 Marozo ils débarquent, ils poté bourré sous quoi d'émission, en pile balle pété. Chien, on t'a capable de dire non, difficulté quelque peu parce que yo t'es obligé de faire appel à l'autre membre. Nèg 400 Maozo yo récupéré zone but boyer. Yo t'es getan mette en chef. Est-ce que ça toujours là? Ben ça c'est la grande question qu'on se pose. Et puis nèg yo obligé aller. Faut dire que pendant bataille ça, la police lui même tout t'es entré dans mi-temps de nèg yo. Est-ce que c'est de l'eau le tap voye ça? On sait pas. Est-ce que c'est coup de balle li tap mette tout ça? On sait pas. Mais écoutez, après tout ça, kad sa yo, soldat blessé, soldat perdit la vie yo, deux nèg 400 Maozo tombé, deux nèg non. Bas chien tombé tout et puis pendant les 400 Maozo pralé, donc c'est là que la grande bataille va s'intensifier davantage parce que zone Santoa eh bien les vignes difficiles d'accès en pile coup de balle à tirer et nous commençons à jouer une image de soldats eux-mêmes qui perdit la vie tête chargée. Gagné un monde qui t'a écrit matin pour dire que ben c'est un dimanche noir et t'as capable de dire pour monde quoi l'émission. Ben oui, pour moun dans toute zone ça yo, également zone Santo, parce que dans moment on a enregistré émission ça et fon dit que toute zone nan, tout moun entré en bacaban, tout moun par contre côté pour yo mettre quoi yo, parce que eh bien ça yo tap tande yo, c'est de son qui baille en pile problème. Pour les images, alors pour les mauvaises images, nous sommes là, contactez-nous et puis on va vous envoyer tout ça. Allez-y. Pendant Balap chante au niveau de quoi d'émission, au niveau de Santo, eh bien, Fon dit que zone Canaran 3, passé en Léa, lui-même, lui, pas de bon du tout. 11h20 dans matin dimanche, 24 avril, eh bien, Fon dit que bagayote vraiment miel au niveau de Canaran depuis vendredi soir, oui. Il y a un pile bataille dans Canaran, surtout dans Canaran 50, Canaran 70. Un pile coup de balle, eh bien, par contre, ça qui passait non dans zone-ci là. Faut que nous rappelions que zone ça, c'est une zone, t'as capable de dire presque difficile d'accès, parce que, il y a un pile bagaille qui a passé au niveau de Canaran, côté que, bataille gang à gang, des fois, la police qu'on font poté bout et tout, mais écoutez, nous même qu'a fait zone ça, yo, un maximum de précautions. D'autres infos pour vous. Makenlo François, troisième chef gang, qui a opéré dans le quartier qui est dans Rémi, qui est situé dans la commune Croix-des-Bouquets, eh bien, li mouri. Dans l'échange de tir avec Force Lodio, individu ça a été en possession Lyon, revolver dans le cadre d'opération Silla. Puis son chef gang ça qui fait partie organisation criminelle, d'après témoignage, cet citoyen,
eh bien, t'as simé la terreur dans le quartier Sila. Depuis environ plusieurs semaines, la police nationale, sous instruction commandant en chef AIA France LB, amplifié diverses opérations, multiplié patrouille tout, et qui a instauré, ça n'a pas brûlé, en présence policière à travers tout le pays, notamment dans la capitale haïtienne. D'un côté objectif lancé, traquer malfrats. Yon manière pour capable météo hors d'état de nuire. Le directeur général AI de la PNH, yon l'autre fois, les mêmes mandés pour capable gagner une véritable synergie. Ça veut dire une collaboration entre la police et la population qui permet à force l'audio pour faire un travail qui pille efficace. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est la police qui a écrit ça sur sa page Facebook. Quelques tweets pour vous. Il y a Hubert Similien, âgé de 75 ans, qui a été tué hier après-midi aux environs 3 heures. Eh bien, c'est nèg armé qui touye li, c'est dans zone carrefour. Cadavre ça lui-même récupéré. Parents lui récupéré cadavre là. Après constat légal, yon juge de paix nan commune. C'est à lire sur le site de Radio Télé Tout-Patou. En vrac toujours, il y a un tribunal jamaïcain qui autorisait extradition ancien sénateur l'Ouest dans le pays d'Haïti, John Joseph Joel, vers les États-Unis, en date jeudi 21 avril 2022. Demande asile qui sollicitait par bon côté Madame Niak Timouni qui refusait par ministère justice jamaïcaine. Yon dossier, n'a pas suivre. Fléau insécurité dans le pays d'Haïti est profitable à certains policiers. À lire également sur le site de Radio Télé Tout-Patou. Eh bien, Yota a utilisé ZAM avec véhicule PNH, uniforme avec badge pour capable rendre service à particuliers. Certains particuliers, bien sûr, eh bien, qui bayo. Yont-il agent en retour, policier sa yo a mené en vie luxe. D'après ça, Mounio fait qu'on est. Ben, c'est pas mal parce que pas grand rien qui condamne policier ça yo tout, yo même pour yo vivre mal. Gagné information qui a circulé sur réseaux sociaux qui t'a fait quoi? Journaliste Karl Dieudonné, il a perdu la vie, li. Eh bien, c'est archi fausse. Ben ouais. La santé de l'ancien présentateur de l'émission Laé sur Radio Télé Zénith, eh bien, se trouve dans un état critique, a révélé l'un de ses proches. Bon, en tout cas, c'est un absolu dossier ça, parce que ça qui arrivait immédiatement, ton film fait émission ça, et pourtant, Karl, les mêmes perdit la ville. Tête charge. C'est triste. Ben, c'est vraiment triste. Bon, me traverser dans la page internationale là, venons pour me dire que dans Nigeria, il y a au moins 80 morts dans le cas d'une explosion dans une raffinerie illégale. Explosion, ça fait, c'était vendredi soir, sous site raffinerie illégale, côté opérateur, avec client, yo, t'es rassemblé pour capable, à le faire trafic. Mais il y a une explosion dans une raffinerie pétrole illégale qui fait au moins 80 morts dans le sud Nigeria. C'est sa service secours annoncé dimanche 24 avril. L'an. Explosion ça a fait vendredi soir sur un site qui est situé entre état pétrolier de Rivers et Imo. Nous déjà joué environ 80 corps grièvement brûlés. C'est ça, un responsable déclaré non, agence France Presse. Bilan capable vin pilou toujours. La police lui-même confirmé, explosion ça fait sur un site non, raffinerie illégale côté opérateur à client yo t'est rassemblé pour capable à le faire trafic. Mauvaise nouvelle pour Nigeria. En tout cas, beaucoup de force à ces familles victimes là. Nous pralé dans le pays la France, dans Nice particulièrement. Son zone qui bat en pile problème puisque gagnon père yo blessé à couteau non, yon attaque terroriste. Bien sûr, a priori, assaillant les mêmes jeunes arrestations. En tout cas, on a quitté avec information ça pour nous dire que le président français ben Emmanuel Macron, ah, il vient d'être réélu. Bah oui, Emmanuel Macron vient d'être réélu. Nous sommes j'étais au deuxième tour. Élection présidentielle là dans le pays de la France qui était metté face à face Emmanuel Macron le président sortant face à Marine Le Pen. Ben elle n'a pas de chance cette dame là puisque Emmanuel Macron est réélu président de la République de France ce dimanche 24 avril en second tour avec un record de 58,2% des voix contre 41,8% pour son habituel adversaire Marine Le Pen. L'homme de 44 ans devient le troisième président français de la 5e République qui va briguer un second mandat après
François Mitterrand et Jacques Chirac. Bon, en tout cas, c'est un pile satisfaction à payer la France puisque et beaucoup de gens considèrent Marine Le Pen comme yon véritable menace et yon te vle voter pour que Marine Le Pen pas arrivé accéder dans la présidence pays ici là. Ben merci la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Moi dire fois mes amis Porsche pour capable abonner à la chaîne ici là et puis pas oublier ben un petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine.